Maurizio. Vous savez ce qu'il m'a dit, le pompiste? Vous avez vu vos pneus, là? Ils sont usés à la corde. À votre place, je changerai tout le train avant. Et tout de suite, ils manquent pas d'air, ces gens-là. Tous des voleurs. Il a peut-être raison, cet homme-là. Il nous veut sans doute du bien. Bah, c'est à mon porte-monnaie qui veut du bien, oui. De toute façon... Et si je l'écoutais, là, il me vendait la boutique. Bah. De toute façon, tu as toujours raison. Oh là là, il est déjà 2 heures. Eh oh, faut que je m'en aille, moi. T'as bien le temps, fiston. T'as bien à prendre un dernier pour la route, là. Une petite prune. Eh, assieds-toi. Ah. Bon, alors la dernière, hein. Oui. Ah, on va t'accompagner, t'es. Tu crois pas que t'as assez bu? Oh, tu le laisses un peu, oui. Et toi, tu le forces à boire. Très bon. Un petit verre pour fêter son examen. Mais c'est pour ça qu'il va lui faire du mal. Hein? Juste pour digérer. Pour digérer. Tu sais bien qu'il doit prendre la voiture dans 1 heure pour entrer quand même. Oh, dans 1 heure, il y a bien longtemps qu'elle sera finie, la petite prune. Hein? La prune, ouais, elle sera finie. Mais qu'est-ce que t'as bu pendant le repas? Oh, mais quand on mange, c'est pas pareil. On élimine. Tu peux parler, toi, t'es pas à jeun non plus, hein? Bon, j'ai pris à peine quelques verres. Ah, tu bois? Quoi? 4 ou 5, là? Et que du vin! C'est bien ce que je dis. Et après, on nous fait la morale. Pas d'alcool, pas de cigarettes. Mais c'est pour ton bien, ça. Ouais, c'est ça. Et pour ton bien, toi, qu'est-ce que tu fais? Ça me regarde. Et ça ne te regarde pas, toi. À l'école, on nous a dit que l'alcool fait plus de 100 000 morts par an. Mais le vin, c'est pas de l'alcool. Même les docteurs le disent que c'est bon pour la santé. Alors, hein. Ouais, et à l'école, ils nous disent n'importe quoi, alors. À l'école. Ils parlent pour vous, les jeunes, là. Et pour vous, les filles, en particulier. Ah, parce que les filles et les garçons, c'est pas pareil. Les garçons, moi, ça tient le coup. Non, mais... Ah. Et toi, tu as toujours été fragile. Et ça délire pour ça que je t'interdis de boire. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle marmonne, celle-là, là? Oh, c'est rien. De toute façon, il n'y a jamais moyen de parler avec vous. J'en ai ras le cul. Répète un peu ce que tu viens de dire. C'est bon, chérie, c'est bon. Je vais t'apprendre à manquer de respect à mon père. Pas, hein. C'est tout ce que tu as à dire? Bon, allez, moi j'y vais. Hein. Tu prends le scooter? Oh, je suis parti. Hein. Oh. T'as vu comment elle me répond, là, cette merdeuse? Oh, mais elle est jeune. C'est ça. Excuse-la, toi. Allez, belle éducation que tu lui donnes à ta fille. Je t'avisais qu'elle s'amuse à recommencer, là. Et moi, je la fous dehors. Dehors. Bon, sur ce, je vais faire un tour. Tu prends la voiture? J'aurais quelque chose contre ça? Est-ce que vous auriez quelque chose contre ça? Est-ce que si vous étiez la femme, la mère, vous auriez quelque chose contre le fait que Pierre, là, il prenne la voiture? Est-ce que vous laisseriez partir? Comment vous feriez? Hein? Oh là là. C'est ça, parce que le problème est là. D'abord, d'entrée, vous revenez qui avant commencé, là. Rencontre les yeux un petit peu. Voilà. Je suis sûr si on peut l'applaudir, parce qu'il a... Éveillé par Emmanuel, hein, je vous garantis. Ouais. T'as vu la classe un peu, ah, hein, super. N'est-ce pas? Bon, bien, au début. Chapeau aussi. On m'a dit. Voilà, ce qu'on peut faire à ce genre de travail, c'est reprendre au début. On va écouter et on va l'arrêter. Allez, vas-y. C'est pas ce qu'il m'a dit. Vous savez ce qu'il m'a dit, le pompiste? Vous avez vos pneus usés, là, jusqu'à la corde. À votre place, je changerai tout le train avant.
Et tout de suite. Manque pas d'humour, ces gens-là. Tous ces voleurs. Top. Alors, quand on travaille sur la sécurité routière, par exemple, bon, on dit que ça, c'est le thème. Donc, c'est peut-être devant des gens qui vont réfléchir là-dessus. Et là, j'arrête. Elle dit, voilà, ça vous va, ça? Imaginez-vous que vous soyez des enfants de cette famille-là. Vous attendez le père qui dit ça, ou même que vous soyez sa femme, là. Quand il dit ça, il ne manque pas d'air, etc. Qu'est-ce que vous feriez à la place de la femme, par exemple? Oui. Ou de la fille. Et tu entends de dire, tous les garagistes sont des voleurs. D'accord? C'est pas vrai que ma voiture, qu'elle a besoin de changer les pneus, mais est-ce que c'est sûr, ça? Qu'est-ce que vous feriez, là? Ben, moi, à la place de la femme, je dis, attends, on va voir la voiture. Non, moi, je l'aimerais voir la bagnole. Tu dis que c'est des voleurs, mais s'il a raison. Ben oui, bien sûr. Donc, on cherche des plans comme ça. Donc, je l'aimerais voir la bagnole. D'accord.